Rapprochons un petit peu si on veut faire une musette T1. Alors. Ah, t'as pas mis la clé de bras. Si. Merde. Waouh, il y a un phalanceur sur le panda. Faut faire attention. On se fait déjà chier. Alors, on va faire ça comme ça. Il aime bien hein, Mudora hein, quand même. Bah, toi aussi t'aimes bien. Pas tellement en fait. Ah, tu vas me dire que t'aimes là, pas. Je peux pas vulner. Slash ignore. Genre strict. Alors, il y a Team HCPL qui me MP. Salut Team H. Donc du coup, la zone musette, tu t'en fous ou pas? Non, je pense qu'on pourrait suicide en fait. Non, non, on va tenter de le faire. Je pense qu'on a tellement un gros T2 que ça peut surprendre. Très bien. Regarde-le, regarde-le. C'est chiant. Tu l'as une de vue là ou pas? Je pense, hein. Non, je Ah non, pas tu l'as pas. Ah, fais chier. Bah, tu peux créer un manif? Non, merde. Ok. Il est chiant. Mais j'ai même pas la ligne de vue ici. Donc il passe tour avec Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, bah je te l'avais dit que t'avais pas la ligne de vue. Non, ta question c'était t'as pas la ligne de vue ici? Et j'ai conclu par ah non. C'est quand même un peu flingué comme zone musette, non? Du coup. Non, non, t'inquiète, la musette. Je te stream à wesh. Non, mais t'inquiète. Fais la petite musette. Super, c'est perdu. Non, tu musettes et tu double pelle en l'air le roube. Voilà. Ok. J'ai pas la LDV. Non, je rigole. Pouh ! Moins 600 x 2. Cherchez une trophe pas chère. Ouais. C'est bien vu. Non, mais ça suffit les portails. Oh là là, zone faisceau qui va prendre. Je pense qu'il est feu en plus. Non, c'est pas comme ça la zone faisceau. Si, c'est une belle zone faisceau là. Ok, on va faire ça. Ah oui, effectivement. Je veux plus le voir. Mais bien sûr que tu vas plus le voir. Aise. Ok. Pourquoi j'ai vu un contre-coup de feu? Ah ouais, pas mal. On part sur qui? Bah je pense le panda, parce qu'il va porter son... Enfin, je regarde. En vrai, vulner l'hélio, comme ça le panda le porte. Et nous on part sur le panda. Ok. Il part panda. Mais regardez comme il streamac les mecs. Truc de ouf. Bon, 3 lignes de vie sur Metaspoi et Exploit. Hésite pas à mettre des trucs sur ces portails là. Hein. Ah bah il le fait lui-même, bah parfait. Bon night. Il s'est dit, bon non, le lio, Osef. De ouf. Ouais. À quoi bon? Alors Moons, qui se plaint d'un combat qui a duré 5 minutes, mais 15... Avec un SRAM qui fait durer. Bah oui, hein, les SRAM, ils aiment bien faire ça. Donc comme j'avais annoncé, d'après la prophétie, il recule avec son hélio sur lui. Oui. T'es un prophète. Oui. Je vois. Alors un panda avec 3700 HP... C'est bon, je pense qu'il ne peut plus trop attendre la musette là. À mon avis, c'est safe. On n'est jamais trop prudent. Ouais. Par contre, tu as kiffé ta zone là. T'as redit. Alors pourquoi mon combat le plus rapide c'est contre un Saïda? Voilà, elle est flinguée la redit. Il faut déjà remettre 10 minutes sur Ténébros là. Ah, encore? Mais ah, je pense. Quel dommage. Pourtant, je sais pas. Ça me dégoûte de faire ça. Je sais pas pourquoi il provoque comme ça, mais... Ah, Mexique, Andrea, ok, 10 minutes aussi. Continue à ping, continue.
truc c'est que... J'ai pas non plus des dégâts de ouf sur un panda avec un phalanster. Oui. Mm-hmm. On peut pas vraiment le faire tomber à vrai dire. Mm. Continuons le focus. Notre super mage est là pour nous aider dans les dégâts. Il manque un de PO. Ah, il manque un de PO. Ça tombe bien parce que t'as un PM. Ah oui, c'est vrai en plus. J'avais pas vu ça. Oh truc merde, de ouf. Putain, je suis claqué. Ça fait 3000 ans que j'ai pas joué à Dofus. Ok, donc ça fait 3000 ans qu'on joue pas à Dofus, donc on sait plus ce que c'est un PA, un PM. Je vois. Bon exemple pour une nouvelle génération. Quelle nouvelle génération. 1000 points de vie sur le panda. On l'observe parce que si on met la souris dessus, on voit 1017. Avant que ce soit ses stats, chance, ça fait longtemps que je peux jouer. Après, on est tous dans la sauce aussi. Hein. Ouais, non. Mais. Est-ce que je mettrais pas une petite corrup sur l'hélio là, vite fait bien. Je pense que l'hélio demande une corrup. J'ai cru voir ça dans le chat. Bien ce qui me semble. Hein. Allez, ça dégage. Non. Tu peux lui mettre ton ébène dessus aussi, puisque t'as fait un placement de bolos. Non, je continue sur le panda. Ok, continue sur le panda. Continue parce que sur j'ai panda. Pas, voilà. Oui, voilà, comme ça, moi, je taperai un Hélio Corrup. Oh, déjà, tu as commencé par finir le panda. Bon, normalement, il va le soigner. Il y a un coffre, là, à jouer. Ah, et vous avez remarqué ou pas? Vous n'avez pas fermé le portail en bas? Non, mais c'est pas grave. C'est il est corrupt. Ah, c'est vrai qu'il est corrupt, donc du coup, il peut pas utiliser ses portails. Ok, voilà, ça. J'avais dit, c'est son 1, Balek. Voilà. J'avais peur qu'il m'envoie à l'autre bout. Mais non. Non, il va juste soigner le panda. Ouais, il soigne le panda. C'est pour ça, tu te plains, mais t'as 3000 dégâts à faire. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on. Tu le finis pas, t'es une chèvre. Vise la chèvre. Full RP chèvre. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que notre Upper Mage 10 à faire peut tuer le panda? Quand même, respecte-moi un petit peu, un minimum. Je suis pas une chèvre, il y a trop de HP. Salut Arizona! Ah, désolé, j'avais pas vu tes messages. Qu'est-ce qui se passe, Arizona? Est-ce que tu as le manga Midori Days? C'est une meuf qui apparaît sur la main d'un mec, c'est trop génial. Midori Days, Arizona? Oui, je connais pas. Mon coffre va s'en charger, je pense. Quoique, une petite bêche, ça fait jamais de mal. Non. T'inquiète. Comme ça, moi, tous les portails sont bouchés. Pour le faire chier. En fait, Arizona, il faut commencer à lire des vrais mangas maintenant. Donc, moi, je peux t'en donner quelques-uns. Death Note. En manga, hein, pas en animé. Naruto, One Piece, tu peux, ouais. Shaman King, Samurai Deeper Kyo. Mais voilà, l'histoire d'une meuf qui apparaît sur la main d'un mec, Arizona, ça me parle pas du tout là comme scénario. Allez, hop. Tokyo Ghoul, Boruto, c'est non. Enfin, on va attendre Boruto, hein, Mulberry Watt. Du coup, il a dit fuck les portails. Je pareil. Vous avez vu la redit que j'ai trouvée? Oh la redit. Et ouais. Oh putain. On va dire GG. Bah en fait GG puisqu'ils sont sur le live. Ouais GG. GG à vous, c'était plaisant. GG et Florence qui offre un sub à Arizona, mais je sais pas si elle a mérité Florence. Bah merci en tout cas Florence. Ah ouais mais moi j'aime bien sub les gens un peu connus tu vois. Il sub à chaque fois. Attends, pas, t'as sub qui déjà de connu? 3 semaines après, il est passé ici donc. Squeezie? Oui. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Grâce à qui? Grâce à Florence. Voilà.